Aucun garde du fichier sur la route. Ils doivent pas la garder. Big, rassurez-vous. Qu'est-ce que c'était? Chargez ces caisses! Plus vite que ça! Oh. Dépêchez-vous! Mais attention! Tente de fuir. Ne laissez point tomber ces caisses! Là, quelqu'un! Ils attaquent par l'arrière! Suivez-moi! Tuez-le! J'ai la fondue! Non! Je n'ai rien fait de mal. Vous avez mal choisi vos amis. Les hommes du Saint-Trien, où sont-ils? Je savais. Je n'aurais point dû leur faire confiance. Où est l'otage? La femme? Quoi? Je ne comprends point. Il n'y a point d'otage ici. C'est sans doute l'œuvre de mes invités. Parlez, où sont-ils? Dans le fort. Ils vont s'échapper. Il y a une femme avec eux, une certaine Sienna. Oui, bien sûr, c'est elle qui m'a convaincu de les laisser entrer. Entraînant les pierres sans nuit dans leur sillage. Où se trouve Sienna? Elle se prépare à partir. Pauvre fou que je suis. Je devais l'accompagner. J'aurais tout fait pour elle. Où est-elle? Dans le fort, elle aussi? Oui. Ses appartements sont dans la tour, tout en haut. Que vais-je devenir? Tenez, pressez ça sur la plaie. Ça devrait ralentir le saignement. Merci. Votre dernière chance. Rendez-vous. Tout ça, c'est à cause de cette catin. Tuez-le! À l'attaque!
fort. Ils vont payer pour tout ce qu'ils ont fait. Nous avons pensé que vous pourriez avoir besoin d'aide. Oui. Nous verrons cela plus tard. Sorceleur, où est Rena? Les réponses à vos questions se trouvent à l'intérieur. Dans ce cas, allons-y. Tu n'es pas blessé. Si jamais ils sont. Ne t'en fais pas. Je n'ai rien à craindre de ces misérables. Je t'attendais. Je ne savais pas où chercher. Et ils menaçaient de te tuer. Pardonne-moi. Je t'ai abandonné. Bien. Il ne nous reste plus qu'à trouver la sœur d'Anna Henrietta. Savez-vous où elle est? Ah, je suis tombé sur Roderick, le seigneur de Duntin. Il m'a dit où trouver Sienna. Eh bien, qu'attendez-vous? Parlez, le temps presse. Il m'a dit qu'elle était au sommet de la tour. Dans cette pièce. Qui ne ressemble guère à une prison, d'ailleurs. Et il se trouve que je vois une carafe de vin. Je parie que c'est du vin de San Real. Où voulez-vous en venir? Arrêtez votre comédie. Je sais tout de votre plan. Vous ne pouvez plus rien me cacher. Sorceleur, expliquez-vous. Désolé, Detlaf. Elle vous a menti. Mon ami, je t'en prie. Tu dois écouter Geralt. Rena n'est pas son vrai nom. Elle s'appelle Sienna, sœur d'Anna Henrietta, duchesse de Toussaint. Comment? Que me chantez-vous là? Sienna a été bannie par ses parents. Mais elle est revenue. Elle s'est installée à Duntin, à la tête d'une guilde de hors-la-loi. Elle a envoyé un Saint-Trien à Beauclair pour voler du vin réservé à la famille ducale. C'est par lui que je suis remonté jusqu'à elle. Un peu plus tard, ce même homme a tenté de voler un bijou qui appartenait autrefois à Sienna. Désolé, Detlaf. Elle s'est servie de vous, depuis le début. Où est-il passé? Il avait besoin de se calmer.
pour ne pas agir inconsidérément. Vous pensez qu'il mettra sa menace à exécution ? Difficile à dire. Quand la colère s'empare de lui, il est imprévisible. Je vais le rejoindre. Comment ? Après ce qu'il vient de... Je connais Detlaff mieux que vous. Si je n'obéis pas, il détruira la ville, n'en doutez pas. Il en est parfaitement capable. Il vous reste donc encore quelques bribes d'honneur. C'est le moins que je puisse faire. Oui. C'est vraiment la meilleure option. De grâce, Votre Altesse. Soyez prudente. Les hommes ont aperçu des vampires. Ils sont peut-être encore là. Vampire ou pas, je veux voir ma sœur. Trouvez-la. Votre Altesse, je... Sienna. Ainsi donc, c'était bien toi. Ma chère, ma pauvre sœur. Dans quel bourbier t'es-tu donc empêtrée ? Ne me prends pas pour une idiote. Depuis quand t'intéresses-tu à mon sort ? Tu es en colère, je comprends. Je te promets de tout faire pour effacer les infortunes du passé. Nous en parlerons plus tard. Capitaine, escortez Sienna jusqu'au palais. Je la verrai dès mon retour. Comme il vous siera, Votre Altesse. Quant à vous, sorceleur, merci pour tout. Dire que pendant tout ce temps, ma sœur était si proche. Roderick de Duntin devra répondre de trahison et de chantage. On s'est servi de Roderick, tout comme on s'est servi du vampire. À propos, avez-vous découvert qui a enlevé sa bien-aimée ? Nous avons découvert que Sienna faisait chanter le vampire. C'est elle qui l'a obligé à tuer ses hommes. Comment ? Que me racontez-vous là ? Ils étaient amants. Elle a simulé son enlèvement pour l'obliger à accomplir sa volonté. Elle s'est servie de lui. C'est Sienna qui a tout manigancé. Non, c'est impossible, vous devez faire erreur. Votre Altesse, je connais ce vampire, et... Vous le connaissez ? Comment ? Qui est-il ? Detlaff. Celui-là même qui évoquait Nazaire il y a peu, assis à ma table ? Êtes-vous certain de n'avoir rien oublié ? L'existence d'un dragon sous la montagne Gorgone, ou bien un autre vampire, peut-être ? Où est-il, à présent ? Il attend Sienna. Si elle ne le retrouve pas sous 3 jours, il affirme qu'il détruira entièrement Beauclair. Comment ose-t-il nous menacer ? Votre Altesse, il nous reste 3 jours pour lui amener Sienna, et... Taisez-vous. Je vous donne 3 jours pour me ramener sa tête. Je ne veux plus de secrets, plus d'alliance avec les vampires. Je veux que la bête meure. Son Altesse a retrouvé son calme, j'en doute. Elle oublie et retire rarement ce qu'elle a dit, surtout les menaces. Ouais. Enfin, j'admets que ce que Detlaff a fait était très indélicat, voire répréhensible. Êtes-vous fâché ? Pourquoi je le serais ? Voyons, vous revenez de la chasse les mains vides. Ni trophée, ni nouvelle piste à suivre pour donner le change.
Que voulez-vous? Ça m'arrive. Surtout quand le monstre après lequel je cours se transforme en banc de brume. Mmh. Comment vos employeurs réagissent-ils quand vous les décevez, d'habitude? Ça dépend. Les paysans m'insultent, les marchands exigent un remboursement, les nobles se contentent de lâcher les chiens. Et les sommités? Elles me promettent le gibet, en général. Ces messieurs sont attendus par Son Altesse Sérénissime. Votre Altesse, le peuple exige qu'elle soit châtiée. Sianna a commis des crimes abominables. Tant de sang a coulé, il... Un mot de plus, Palmerin, et il en coulera davantage. Le vôtre. Pour la dernière fois, Sianna a en effet beaucoup tué, mais elle est aussi ma sœur. Nous sommes liés par le sang et une enfance commune. Je me refuse à la faire pendre. Votre Altesse, je redoute de voir la populace brandir fourches et torches et partir à l'assaut de la prison. Grand bien leur fasse, ils ne l'y trouveront pas. Sianna est en lieu sûr. Elle y restera en attente de jugement jusqu'à ce que nous soyons débarrassés de ce fiéfé vampire. Ce qui, à voir vos tristes figures, n'est pas encore fait. Nous avons fait notre possible, mais... Ma patience a des limites, Geralt. Où est-il? Où est Detlaf? Nous travaillons à le découvrir, Votre Altesse. Me prendriez-vous pour une sotte? Je n'oserais pas. Peu m'importe ce que vous avez fait, faites ou ferez. La seule chose qui compte, ce sont les résultats. Jusqu'ici, il n'y en a point. Il m'arrive de chasser le renard. Savez-vous comment? Le grand veneur du Cal lâche les chiens. Il flaire l'animal, traque la pauvre bête, oriente la battue. Tout cela en une heure seulement. Vous, sorceleur, aviez une semaine. L'appui de mes meilleurs chevaliers. Et pourtant, vous n'avez rien flairé du tout. Je commence sérieusement à croire que mes limiers auraient fait mieux. Pour la chasse aux vampires, Votre Altesse aurait certainement mieux fait d'envoyer un limier. Vous risquez gros, sorceleur. Très gros. La sagesse commande que vous choisissiez mieux vos paroles. Venons-en plutôt au fait. Avez-vous la moindre piste? Votre Altesse, Sianna s'est visiblement servie de Detlaf pour éliminer les chevaliers qui l'escortaient en exil. Tout nous porte à croire que... Votre Altesse, des vampires... Quoi? Exprimez-vous! Des vampires attaquent la ville. Le capitaine de la tour défend la place près du débarcadère. Mais il y a tant de victimes. Merde. C'est la guerre que veut ce Detlaf, il l'aura. Geralt, mettez-vous au travail. Cette fois, pas de fou. Palmerin, vous... Sortez-la d'ici. Sianna n'a pas répondu à l'appel. En outre, regardez, Detlaf ne plaisantait pas. En effet, il est grand temps qu'on passe à l'offensive.
Il va vraiment trop loin. Régis, vous disiez qu'il y avait un moyen d'attirer Detlaf. Un moyen auquel vous refusiez de recourir jusque-là parce que vous l'estimiez trop dangereux. Si j'ai présenté les choses ainsi, vous m'envoyez navré. Je ne voulais nullement vous induire en erreur. Le mot « dangereux » est très en dessous de la réalité dans ce cas. Régis, vous vous faites encore une montagne d'un dilemme personnel. Dites-moi juste comment débusquer Detlaf pour l'obliger à nous rencontrer, d'accord? En temps utile. D'abord, Geralt, j'aimerais que vous envisagiez l'alternative. Après tout, vous pourriez accéder à la requête de Detlaf et libérer sa chère Sianna. Selon vous, Detlaf croit toujours à l'innocence de Sianna. Il doit se douter de quelque chose. C'est sûr. Il tient à savoir ce qui s'est passé. Quitte à déclarer la guerre à tout le duché. Que voulez-vous? La modération n'a jamais été son fort. Vous songez sérieusement à libérer Sianna pour la livrer à Detlaf? J'ai du mal à y croire. C'est dur à avaler, je sais. Mais Detlaf n'est pas foncièrement mauvais. Seulement impulsif. Il faut qu'il lui parle. Alors seulement il épargnera la ville. Je pourrais presque dire oui. Mais Anna Henrietta n'y consentira jamais. Qui parle de lui demander son auguste permission? Ce rendez-vous, qu'est-ce qu'il va donner? Et si jamais les choses tournent mal? Garantissez la sécurité de Sianna. Il apparaît très incertain que... Épargnez-moi le cours sur les probabilités. Je veux une réponse claire. Oui ou non? Je fais serment qu'il ne lui arrivera rien de fâcheux. Ce plan ne me dit rien qui vaille. Pour commencer, nous ignorons où Sianna est détenue. Vous avez entendu la duchesse comme moi. Elle n'est pas en prison. Rien qui vaille. Fallacieux prétexte. Je suis certain que vous la trouverez si vous vous en donnez la peine. Pourquoi ne pas demander à Damien? La duchesse le traite comme un gentil toutou et le garde auprès d'elle. Il pourrait en savoir plus. Vous voyez? J'étais sûr que vous trouveriez. Bravo. Aurais-je dissipé vos doutes? Pas si vite. Encore un petit détail. Comment pourrais-je débusquer Detlaf si le cas se présentait? Avec du sang de vierge? Il se trouve qu'un sujet pas comme les autres vit dans les parages. Un invisible. La race des vampires les plus anciens et les plus puissants qui soient. Et? Toussaint est le territoire du doyen des invisibles. Tous les vampires présents lui doivent allégeance. Un seul mot de lui, et Detlaf se verra obligé d'apparaître à l'heure et au lieu-dit. Ce doyen des invisibles, comment le convaincre de convoquer Detlaf? Commençons par le trouver. Le doyen rechigne à rencontrer les nouveaux venus. Mais les autochtones comme Oriana, elle aussi est... Je m'en doutais. Très bien, admettons que l'on rencontre le doyen des invisibles. Et après? Aucune idée. Il va falloir improviser, j'imagine. Me voilà condamné à céder au chantage, ou à combattre en somme. Vous devinez où va ma préférence. Libérer Sianna et arranger un rendez-vous avec Detlaf nous octroie de fortes chances de survie, y compris pour Detlaf. Régis, sans vous mettre la pression, je dois savoir. Admettons que je combatte Detlaf. Dans quel camp serez-vous? Si vous décidez que le glaive est la seule solution, je ne m'y opposerai pas. J'apprécie. Il y a de quoi. Mettez-moi dans la confidence. Quelles sont vos intentions? Aussi loufoque que cela paraisse, allons-y. Demandons à Damien où est Sianna. Je n'aurai donc pas à vous supplier. J'en étais sûr. Tudo, je ne promets rien, sauf d'évaluer la situation avant de me lancer. Vous venez ?
Bien sûr. Mettons-nous au travail. Vite. Damien est peut-être en danger. Ou mort. Vous croyez? Il a l'air d'un dur à cuire avec plus d'un combat à son actif. Contre des humains, pas contre des monstres.